بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوان. أما بعد، بونجور. Dieu nous dit dans la Baqara, the cow, la vache, 270, verset 270, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Quelles que soient vos dépenses, c'est-à-dire pour le plaisir de Dieu ou pour autre chose, et quels que soient vos vœux, tout ce monde-là, il est bien connu de la part de Dieu. Donc, le vrai connaisseur de toutes choses, c'est Dieu. Et le prophète d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui, Muhammad, il dit, من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. C'est-à-dire, ceux qui ont fait vœu de prier Dieu et d'adorer Dieu et d'exécuter les ordres divins et d'éviter la transgression de ses interdits, qu'ils le fassent. Donc ce vœu-là, c'est un vœu licite, on peut le réaliser. Mais si au contraire, on a un vœu pour refuser les ordres divins, pour être des ingrats, pour être des impolis vis-à-vis de Dieu, il ne faut jamais faire que ce vœu-là soit réalisé. Wassalamu ala man ittaba'a.